La Soconef est une jeune association de moins d'une décennie d'existence. Elle a comme objectif la promotion de la santé dans la population, la recherche, l'enseignement ainsi que la bonne pratique clinique. Il existe à ce jour deux services de néphrologie, un service adulte et le pédiatre malgré l'immensité de ce pays, et ça se trouve uniquement à Kinshasa. La tenue de ce congrès marque un temps, en même temps un rendez-vous avec l'histoire. Le chemin reste long, mais le dynamisme des membres de la Soconef et la volonté politique affichée, tout cela nous pousse à l'optimisme. La maladie rénale est un véritable problème de santé publique mondiale, car il y a aujourd'hui plus de 850 millions de personnes dans le monde qui souffrent de maladies rénales, alors qu'une grande partie de cette population ignore leur santé rénale. Cette maladie, au pronostic effroyable, surtout dans notre contrée, de la 11e place comme cause de mortalité, elle progresse et sera à la 5e cause de mortalité d'ici 2030. Vous savez que depuis peu, notre faculté s'est vraiment engagée dans la résolution des problèmes de notre société. Et c'est dans ce cadre qu'elle encourage ce genre de rencontres, parce qu'elle nous permet de voir clair dans ce que nous devons faire réellement dans la société en termes de connaissances et en termes de pratiques ou des actions à mener dans la société. Vive la société congolaise de néphrologie, vive la société africaine de néphrologie, vive la société internationale de néphrologie. Je vous remercie. Je ne saurais terminer cette adresse sans remercier particulièrement Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui a fait de la couverture santé universelle non seulement une priorité, mais un cheval de bataille. A cet effet, j'ai le privilège de vous annoncer que ce 31 août, nous allons démarrer la prise en charge des accouchements gratuits dans quelques centres pilotes, et de fil en aiguille, nous allons l'étendre dans tout le pays.